Le conflit au Soudan compte déjà plus de 400 morts. Il n'épargne pas les civils et les enfants. Alors que les combats font rage dans la capitale soudanaise, on dénombre déjà au moins 9 morts parmi les enfants et plus de 50 blessés. Une situation qui inquiète les organisations internationales, dont l'UNICEF qui a tiré la sonnette d'alarme sur l'embrasement de la situation et ses conséquences sur les enfants. Nous avons maintenant des rapports d'au moins 9 enfants tués, au moins 50 ont été blessés. Ces chiffres continueront d'augmenter tant que les combats continueront. Ils n'ont donc pas accès à l'électricité et ils sont terrifiés à l'idée de manquer de nourriture, d'eau, de médicaments. Nous avons maintenant une situation où un soutien vital pour environ 50 000 enfants est menacé. Des enfants souffrant de malnutrition sévère et aiguë. Si la violence ne cesse pas, le bilan risque de s'alourdir. Les blessés ne peuvent pour l'heure pas recevoir les soins de première nécessité. L'escalade de violence a poussé les enfants à se réfugier dans les écoles et les centres de soins, alors que les combats ont lieu parfois à quelques encablures. Des hôpitaux et d'autres infrastructures d'aide humanitaire primordiales ont été endommagées ou tout simplement détruites.